Oui, Stiti. Tu as peut-être déjà vu ces objets chez toi et tu t'es demandé ce que c'était. Eh bien, c'est un vieil appareil photo. On prenait des photos et ensuite, il fallait aller chez un spécialiste qui développait le film et vous donnait vos photos. On les rassemblait ensuite dans un album. Tu veux que je te montre l'album photo spécial princesse? Et voilà, la couronne avec la princesse au milieu. Tournons les pages. Toutes ces photos y sont collées. Tu vois? Je vais te montrer comment confectionner ton album. Comme ça, tu pourras conserver les photos que tu aimes et te souvenir des meilleurs moments de tes vacances. Regarde bien. Dessine une couronne sur un carton gris. Trois grandes pointes, comme cela, avec un cercle au-dessus. C'est pour les pierres précieuses. Dessine une couronne plus petite au centre. Sur le côté, fais deux points pour les trous. Demande à un adulte de t'aider à la découper. Et voilà le résultat. Pour faire les trous, pose un petit peu de pâte à modeler dessous et appuie avec la pointe d'un crayon. Super. Maintenant, trace la couronne sur une autre feuille de carton, mais sans celle du centre. Découpe-la, et voilà, tu as la couverture et le dos de ton album. Pour faire les pages, trace les contours de la couronne sur différentes feuilles de carton de la couleur de ton choix. Génial! Ça y est, nous avons tout ce qu'il nous faut pour notre album. La couverture, les pages et le dos. Mais avant de les rassembler, il faut peindre la couronne de la princesse. Regarde attentivement. Peins les couvertures de la couleur de ton choix. J'ai pris du jaune parce que ça ressemble à de l'or. Je vais utiliser un pinceau large pour que ça soit bien régulier. Peins les cercles en bleu pour qu'ils ressemblent à des saphirs scintillants. Et une fois que c'est sec, peins l'autre face. Donne des ombres à la couronne à l'aide d'un pastel. Là, je la fais briller. Utilise de l'orange pour les bords et les coins. C'est parfait. Sers-toi aussi du pastel blanc pour faire briller les saphirs. Ouais, je trouve cet album absolument magnifique. Tu peux coller ta photo à l'intérieur de la couronne. Comme ça, on te verra sur la couverture. Et regarde, j'ai aussi peint le dos en utilisant la même technique. Ça te plaît? Moi aussi. Et pour relier ton album et qu'il ressemble vraiment à un livre, récupère des rubans, passe-les dans les trous et fais un nœud. Parfait! Ah, toi, je te vois venir. Tu veux voir d'autres réalisations. Bon. Tu peux coller les photos de tes aventures les plus passionnantes dans ce chapeau de pirate et mettre ta photo en couverture. Et regarde ce troisième album. La couverture montre une carte au trésor et voilà la photo du pirate. À ton tour, crée des albums pour y coller tes photos souvenirs et tu pourras revivre toutes tes aventures. Oh, l'émission est terminée! Avec tous les objets que tu vas pouvoir créer, te voilà prêt pour des aventures de pirates ou de princesses. À très vite pour un prochain épisode d'Art Attack. Salut!